On ne peut jamais ouvrir une page d'information de la Guinée sans être mécontent. Tous les jours, je vous assure, on ne peut jamais ouvrir une page sur notre République, montre bien comment, sans être écœuré, sans avoir mal au cœur. On ne peut jamais ouvrir une page sur la Guinée sur l'information guinéenne sans être écouré. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, c'est la rage, c'est la colère, c'est le désenchantement. Mesdames et messieurs, Alpha Condé, c'est une déception totale, une déception. De A à Z, Alpha Condé, c'est une déception totale. Je vous assure, Monsieur Alpha Condé, est une déception totale. Les Guinéens vivent aujourd'hui dans le désenchantement. Dans le désenchantement. Bon sang de Dieu. Partout en Guinée il y a de la violence. Qu'est-ce qui va pas dans ce pays-là? Pourquoi les gens n'essayent pas de se donner la main pour enfin se débarrasser de ce système? Et de ce dictateur. Pourquoi Parce que, écoutez, les amis, avant d'attaquer le sujet là, je vais, je vais, écoutez, avant d'attaquer le sujet, je vais vous parler quelque chose de très important aujourd'hui. Aujourd'hui, en Guinée, il y a des manifestations partout. Vous allez à Cancan, il y a la manifestation. Vous allez à ziré il y a de la manifestation. Vous allez où en Guinée il y a de la manifestation, mes amis. Alors pourquoi tous les Guinéens ne peuvent pas se lever, répondre à l'appel de M. Siloudal Diallo, qui demande l'unité pour se débarrasser une fois pour toutes de la dictature du despotisme mise en place. Au lieu que les Kankaka fassent la grève pour l'électricité, pour de l'eau, au lieu que les Sigirinka fassent la grève pour l'électricité, pour de l'eau, au lieu que on fasse la même grève à Zéré au lieu que ça se passe à, à, à l'Abbé, au lieu que ça se fasse à Conakry, quartier par quartier, pour, pourquoi ne pas vous mobiliser derrière la personne que vous-même vous avez élue en tant que président de la République, mais que son pouvoir lui a été confisqué. Pourquoi vous ne vous levez pas? Vous ajoutez à ce monsieur-là pour qu'enfant. On le remette son pouvoir et qu'il puisse répondre à vos attentes, à vos aspirations. Mesdames et messieurs, je ne comprends pas la réflexion guinéenne. Je ne comprends pas le mode de pensée des Guinéens. Je ne comprends pas l'individualisme des Guinéens. Il faut que les Guinéens apprennent la collectivité. Il faut que les Guinéens apprennent la cohésion. Il faut que les Guinéens apprennent ce qu'on appelle la lutte commune. Pour faire de la lutte commune, il faut que vous ayez les mêmes visions. Il faut que vous partagiez les mêmes aspirations. Et aujourd'hui, force est de croire que les Guinéens partagent les mêmes aspirations. Mais qu'est-ce qui fait mal Qu'est-ce qui fait que cette lutte-là ne peut pas être une, une lutte commune, Pour qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas réunir tous les Guinéens aujourd'hui pour afin de se débarrasser de, la, de cette dictature, de cette déception d'Alpha Condé Qu'est-ce qui fait cela C'est tout simplement, l'homme le plus populaire de la Guinée, on n'aime pas sa tête. C'est tout simplement, on dit que c'est un peuple. C'est ce qui fait mal à certains Guinéens quand on prononce le mot peuple. Mesdames et Messieurs, moi je vais le dire, que ça vous plaise ou pas. Ceux qui font souvent des vidéos dans l'hypocrisie en disant moi je ne prononce pas le nom Paul alors moi Monsieur Kanté je prononce le nom Peul. Vous savez quand vous faites des vidéos vous ne parlez pas des Peuls mais que le contenu de vos vidéos parle des Peuls et non les militants de l'UFDG je parle bien des Peuls et j'assume quand vous faites les vidéos dont les contenus s'adressent aux Peuls en Guinée. Ayez le courage de prononcer le mot peul et assumer. M. Diallo est simplement un peul. On n'aime pas sa tête parce qu'il est peul. Sinon, si c'était un ludeur malinqué à la tête de l'UFDG, avec la notoriété que M. Seloudale Diallo a, avec, c'est-à-dire l'amour que ce monsieur a pour le peuple de Guinée, j'en suis sûr que tous les Guinéens se seraient aujourd'hui mobilisés pour répondre à l'appel de ce monsieur-là. Parce que vous vivez dans la souffrance. Et en tant que vous, vous vivez dans la souffrance en Guinée. Nous qui sommes ici en Europe, nous qui sommes ici aux États-Unis, nous qui sommes ici à travers le monde, on ne peut jamais avoir la paix du cœur. On ne peut jamais être tranquille mentalement. Mesdames et messieurs. Monsieur Seloudal Diallo, il demande... À toutes les forces vives, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, que ce soit quelle organisation, peu importe l'organisation, que vous vous soignez à lui, afin que ensemble nous puissions nous débarrasser de cette dictature, de ce despotisme. C'est tout simplement ça. Mesdames et messieurs, je vous ai fait le live hier, je vous ai parlé de cet appel de CDD. Vous êtes conscient de votre souffrance en Guinée. Nous, ici, on peut dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et non, on ne peut pas aussi se permettre de dire Alhamdulillah jusqu'à un certain degré. Bien sûr, nous sommes là avec nos familles, nos petites familles, nos enfants, nos femmes, tout ça. Mais au fond de nous, on n'est pas tranquille. On se dit, il y a l'électricité, on se dit, il y a de l'eau, on se dit, il y a de la nourriture dans le frigo, on se dit, il y a des moyens de transport, on se dit, il y a la voiture, on se dit, euh, ok, il y a la, tout est là, tout est là quoi. On se dit, tout est là. Mais est-ce qu'on peut se limiter à cela Non. Tout ce qui est là, là, ne nous appartient pas. Ça appartient à ces nations-là. Nous sommes venus trouver ça ici. Les gens-là, ils ne se sont pas organisés pour nous. Ils se sont organisés pour eux-mêmes. Nous, nous sommes venus rentrer dans leur système. Tous les Guinéens qui vivent aujourd'hui aisément ici en France, d'accord Vous ne devez pas être dans, dans, dans l'aisance. Vous devez vous remettre en question chaque fois. Vous devez vous poser la question. Mais ces gens-là, comment ils ont fait pour ça Comment ils ont fait pour ne pas venir à un certain niveau de perfection Comment ils ont fait pour s'organiser comme ça, là ils n'ont pas fait ça pour nous, ils ont fait ça pour eux-mêmes. Ça, c'est l'organisation étatique. Vous devez vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse la même chose chez nous pour qu'enfin, nous puissions rester chez nous en Guinée Il n'y a pas moyen Bien évidemment, il y a moyen, y a la, nous avons la capacité. Nous avons l'intelligence, nous avons le courage, nous avons la capacité. Mais vous savez... Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas mettre cette capacité et cette intelligence en œuvre C'est notre grande hypocrisie. Nous sommes des hypocrites. Et l'hypocrisie ne permet aucune nation de se développer. Quand je dis nation, la nation, c'est des individus qui composent, c'est des individus qui vivent sur un territoire. C'est l'ensemble de ces individus qu'on appelle nation. Et le territoire, on appelle le pays géographiquement limité. Nous sommes des hypocrites en Guinée. Il faut qu'on cesse d'être hypocrite. Il faut qu'on se rende compte que l'hypocrisie ne peut que desservir la cause de la nation. Il faut qu'on se rende compte que les petites querelles intestines ne peuvent que desservir la cause de la nation, comme disait Victor Hugo. Mesdames et messieurs, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on comprenne une fois pour toutes qu'en tant que... On ne sera pas à l'aise en Guinée, on ne sera pas à l'aise en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Quel est le Guinéen aujourd'hui qui peut lever son doigt pour dire que ça va en Guinée Quel est le Guinéen conscient qui peut lever le doigt pour dire qu'en va, ça va en Guinée Il n'y en a pas. Mesdames et messieurs, chaque jour, chaque matin, chaque matin que je me réveille, chaque jour que Dieu fait, Okay? Que moi, quand je me mets sur pied, que je lise les informations concernant la Guinée, j'ai des larmes qui coulent. Mon cœur saigne. Je n'ai pas la conscience tranquille. Je ne me porte pas bien. Je ne suis pas bien dans ma peau. Quand je vois la perfection qu'il y a ici, quand je vois les chemins de fer, quand je suis, je m'assois dans les trains pour aller au travail. Ou pour aller visiter quelques, quelques coins ici. Quand je suis dans le train, dans les bus, d'accord Quand je vois tout ce travail fait là, ici, j'ai les larmes qui coulent. Je me dis, ici, il n'y a pas un coin où on exploite le fer, les minéraux de fer. Ça vient d'où Ça vient de l'Afrique. Je me dis, il n'y a pas un coin ici où on exploite de l'or. Ça vient d'où Ça vient de l'Afrique. Je me dis, il n'y a pas un coin ici où on exploite la bauxite. La bauxite qui rentre dans la fabrication même des trains, dans la fabrication des avions, dans la fabrication des bateaux. Mesdames et Messieurs, quand je vois tous ces travaux accomplis ici, à travers nos matières premières venant de l'Afrique, et que nous, nous sommes incapables de faire le minimum de cela en Afrique, chez nous, sincèrement, j'ai mal au cœur. Nous sommes des vendeurs. Et quand on gagne l'argent, on ne fait absolument rien de cet argent. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Tout est ici à la disposition de toute personne qui vit dans le système. Et même si vous n'êtes pas dans le système, à partir du moment où vous avez les moyens de vous acheter un titre de transport, mais vous êtes libre. Vous vous rendez compte. On peut faire les 300 km ici à 2 heures. 2 heures, 2 heures 30. On peut faire les 1000 km ici en quelque, en quelque temps. Qu'est-ce qui fait cela Ils ont atteint un niveau de perfection. Et quand on parle de cela, quand on dit qu'il faut se battre pour qu'on ait la même chose chez nous, il y a des personnes qui pensent que nous, nous sommes des ennemis de l'État. Non. Et quand on dit que nous avons... Quelqu'un qui peut nous aider à atteindre ce niveau de perfection, ce niveau de travail, il y a des gens qui pensent que nous, nous sommes des ennemis de l'État. Alors je me dis, vous qui êtes alors, vous qui aimez la Guinée plus que tout le monde, vous êtes là, ça fait combien de temps vous êtes là? Et ça ne bouge pas, on ne bouge pas. On ne bouge absolument pas. Et regardez, je vais vous faire le résumé de le résumé je, le résumé de la capacité des intellectuels guinéens et vous allez comprendre que en réalité le niveau est très bas en Guinée. Le niveau de l'élite guinéenne est très bas, très bas. L'hypocrisie a eu raison du niveau de l'élite guinéenne. Le mensonge, la dilapidation, le vol, la corruption, l'individualisme la singularité a eu raison du niveau de l'élite guinéenne. 1958, 2021, ça nous fait combien d'années 60 et quelques. 60 et quelques. On vous dit qu'à 60 et quelques d'indépendance, 60 et quelques d'années d'indépendance, que nos maîtres à penser n'ont réussi qu'à faire ce travail que le Guinéen voit aujourd'hui. Avec nos docteurs en chimie, nos docteurs en physique, avec nos docteurs en droit, nos docteurs en sociologie, nos docteurs en économie. Ils n'ont reçu qu'à faire que ce travail que nous avons aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire, ils n'ont reçu en 72, en 63 ans. Hein, de relever le niveau que le Guinéen constate aujourd'hui. C'est le résumé de l'intelligence de nos maîtres à penser en Guinée. Quand vous prenez, c'est-à-dire, prenez l'intelligence collective guinéenne, c'est-à-dire l'intelligence des maîtres à penser, ceux qui sont, ceux qu'on appelle l'élite, vous prenez, vous faites la sommation de leur capacité intellectuelle. La Guinée est aujourd'hui, l'image que la Guinée a aujourd'hui est le fruit le fruit de la capacité, le fruit du poids de l'intelligence de nos maîtres à penser. Alors, moi je pose la question. Est-ce que vous, Guinéens, vous êtes fiers du résumé, vous êtes fiers de la sommation de l'intelligence de, de nos maîtres à penser là Est-ce que vous êtes fiers de cela Vous êtes fiers Parce que je me dis, Kassori plus Sidia, plus Senou, plus Alpha, plus l'ensemble Kuyate. Plus Ousmane Kaba, plus qui encore, plus qui encore, plus qui encore, plus qui encore, plus Ahmed Sektouré, plus Lansana compté, plus l'armée, plus tout, 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 tout. Le travail accompli à Guinée est le résumé, le résumé du poids de cette intelligence de tous ces gens-là. Est-ce que vous êtes fiers de cela C'est de cela il s'agit. Quand on fait de l'analyse, il faut faire ces analyses-là, c'est très important. C'est très important. C'est comme on vous dit, votre papa était vendeur d'or. C'est un commerçant, c'est un vendeur d'or, c'est un diamantaire. Ok On dit que votre papa, il exploite l'or, il vend de l'or. Mais depuis que vous, vous êtes né, votre papa n'a que pour habitat une seule petite case. Il vit là avec ses trois femmes. Il a dix enfants. Ils vivent tout cela. On dit qu'il n'y a même pas de latrine de qualité. Est-ce qu'en réalité, si vous regardez votre papa, quand vous regardez votre papa, vous qui réfléchissez, vous qui avez une analyse, vous qui avez une capacité d'analyse un peu élevée, est-ce que vous serez fier de votre papa Est-ce qu'en quelque sorte, vous ne traiterez pas votre papa de quelqu'un qui n'est pas de ce monde-là Sincèrement moi, je vais calculer comme ça. Je dirais que, mais, écoutez, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas que tu vends des marchandises, des milliards, des milliards de francs guinéens, des millions d'euros, et que tu n'as pour habitat qu'une seule petite case là. Depuis que nous, nous sommes là, nous vivons tous là avec, nos, 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 avec notre maman et nos marathons, nos autres frères. On n'a même pas de latrine de qualité. Est-ce que c'est est -ce est vraiment sérieux? Mesdames et messieurs, ce sont des analyses que nous devons faire. Ce sont des analyses que nous devons faire. Et la méchanceté dans l'affaire, c'est que les maîtres à penser ils ont construit des villas en Guinée. Des villas qui coûtent peut-être 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 1 milliard, 2 milliards de francs guinéens. Ou 3 milliards, ou 500 ou 5 milliards ou 6 milliards de francs guinéens. D'accord ils ont, ont, ils ont construit des villas comme ça. Un milliard de francs guinéens, ça fait combien en euros Ça fait 100 000 euros. Si je ne me trompe ou si je ne m'abuse, si je ne me trompe. Maintenant, on dit que quelqu'un, il a 50 millions de dollars dans un compte étranger. Il a construit une maison chez lui de 500 000, 500 000 dollars ou 500 000 euros. L'argent d'or à la banque à l'étranger. Il a les fils de sa nation qui coupissent dans les prisons il a des voisins qui n'arrivent même pas à faire deux repas mais lui-même il est conscient qu'il a volé l'argent là dans cette même nation là il a mis ça dans un compte étranger à l'étranger dans une banque étrangère il dit bon toi tu es pas tu peux être là tu restes ici les gens là ils n'ont qu'à t'exploiter toi tu restes ici moi je suis dans ma maison alors, l'avenir de mes enfants s'est rassuré. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous comprenez dans la logique là Sincèrement, qu'est-ce que vous comprenez Moi, en tout cas, je ne comprends pas. Pour vous dire la vérité, je ne comprends absolument rien. Je ne comprends absolument rien. On dit un policier tue deux civils et blesse un autre à l'Ansanaya barrage. Réaction de colère des citoyens. Hein? Ben. Un policier tue deux civils et blesse un autre. Un policier, on dit un policier. On n'a pas dit un gang. On n'a pas dit un fou. On n'a pas dit un tueur en Syrie. Mais on dit un policier. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire Est-ce que vous mesurez ce que ça veut dire Un policier. Quelqu'un qui porte l'uniforme de l'État qui appartient à l'État. Quelqu'un qui est censé protéger les civils guinéens. Vous tuez quelqu'un que vous-même vous êtes censé protéger. On est où Nous sommes dans la jungle ou quoi On est où, Mais Moi, je ne comprends pas, sincèrement. Donnez-moi une explication de ces faits-là. Je ne comprends pas. Je vous jure. Billahitallah, je ne comprends pas. La colère était grande ce lundi matin, 22 mars 2021, à l'Ansanaya Barrage, dans la commune de Matoto. Plusieurs citoyens sont descendus dans la rue pour protester contre l'acte d'un policier qui a tué des personnes et blessé une autre. La nuit dernière, dans cette localité, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les manifestants, a constaté un reporter de tant, tant, On dit cet incident grave. Qui s'est produit dans la nuit du dimanche 21 mars au rond-point de l'Ansanaya Barrage seront les témoignages recueillis sur place. Il était 22 heures. Lorsqu'un agent de commissariat central de Dapompa a tiré, on ne sait dans quelles conditions, sur trois personnes, un vendeur de brochettes aux abords de ce rond-point et deux jeunes qui étaient de passage, l'un d'eux à l'un d'eux, euh, l'un d'eux. Attendez, qu'est-ce qu'ils ont L'un d'entre okay, eux a trouvé la mort sur place et les deux autres ont été transportés dans un hôpital où un autre a succombé à ses blessures. Juste après cet incident, plusieurs jeunes en colère okay, ont envahi la route, ce qui a obligé les, les agents de commissariat de Tapopa qui étaient déployés sur les lieux, à prendre la fuite quelques minutes. Bon, on dit... Euh, un commissariat de Dapompa qui était déployé sur les lieux à prendre la fuite. Et quelques minutes plus tard, plusieurs pick-up de la BAC, brigade anticriminaire, sont arrivés sur place. Les agents ont rétabli l'ordre sur les lieux avant de repartir avec le corps de la victime et les deux blessés pour l'hôpital. Et ce lundi matin, plusieurs jeunes n'ayant pas digéré cette situation ont investi. OK Encore ce rond-point. Euh, ils ont érigé... Des barricades sur la route empêchant toute circulation. Les manifestants protestent contre l'acte du policier et réclament justice. Mais la police, notamment euh, la semi euh, numéro 4, a fait une descente musclée sur les lieux. Les agents ont fait usage de gages lacrymosène pour disperser les manifestants. Le calme est finalement revenu sur les lieux aux environs de 11 heures. Mesdames et messieurs, comment vous pouvez comprendre cela un policier qui va tuer des gens. Mais je me dis, écoutez, écoutez, mesdames et messieurs, écoutez, peuple de Guinée, tu ne vas pas t'asseoir pour que ces mercenaires continuent d'abattre tes propres enfants devant toi sans motif. Absolument rien. Il n'est même pas mentionné si le mercenaire, le tueur, a été arrêté ou pas. Ce n'est pas mentionné. Ce n'est pas mentionné. On tue des gens banalement. Banalement. La vie en Guinée n'a pas de valeur. C'est la vérité. La vie en Guinée n'a pas de valeur. Écoutez, simplement, pour une ordonnance de de 5 euros, pour une ordonnance de, 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 de 4 euros, bien de 2 euros, dans l'incapacité d'avoir cela, les malades meurent en Guinée à cause de 2 euros. C'est là que vous comprenez que la vie en Guinée n'a pas de poids, n'a pas de valeur. Mesdames et messieurs, on est tous là à regarder comme ça, à rigoler. On est tous là à dire dommage. On est tous là à dire regrettable. Et les gens en Guinée, ils voient, ils disent que oh, c'est regrettable, c'est tout ça. Mais vous devez comprendre que chez moi, M. Kanté, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce qui arrive comme malheur est un enchaînement d'événements malheureux. S'il y a un malheur qui vous arrive dans la vie, il faut comprendre que le malheur est le fruit, est la finalité d'un enchaînement d'événements malheureux. Et ce qui vous arrive comme bonheur dans la vie, il faut comprendre que le bonheur que vous touchez, enfant, c'est la finalité, c'est-à-dire c'est le produit fini d'enchaînements heureux qui se sont succédés. Chez moi, il n'y a pas de hasard. Si vous voyez aujourd'hui qu'on tue les gens banalement en Guinée, c'est parce que les, les événements malheureux se sont succédés, se sont enchaînés. Et nous sommes aujourd'hui dans la finalité de ces événements malheureux-là. Pas de justice un pouvoir illégal en place un président menteur à la tête la corruption un peu partout les gangs un peu partout les policiers eux-mêmes transformés en gangs c'est ça les événements malheureux c'est un enchaînement d'événements malheureux il n'y a pas de hasard le hasard n'existe pas chez moi et pour toute personne réfléchie vous conviendrez avec moi que le hasard n'existe pas si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard, mesdames et messieurs. Ok? Il faut que peuple de Guinée, tu te réveilles. Ça fait combien de fois on le dit? Peuple de Guinée, réveille-toi. Ça fait combien de fois on le dit? Il faut que vous compreniez. Il faut que les gens comprennent. Ce que j'ai dit la fois dernière... Et que des personnes mal intentionnées m'ont attaqué. Qu'est-ce qu'il y a écrit là Pour ceux qui savent lire, qu'est-ce qu'il y a écrit là rapidement avant que le téléphone ne s'éteigne Qu'est-ce qu'il y a écrit là Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit ici Manque d'eau. On dit manque d'eau et de courant à Cancan. Nous allons manifester le 23 mars. Au lieu de manifester le 23 mars. Le mieux pour vous, population de Kankan, population de Sigirim, population de Mandjana, population de Farana, population de Kouroussa, au lieu de manifester chaque fois pour de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, et qu'on vienne chaque fois vous berner en vous disant qu'on va construire des barrages hydroélectriques, en vous disant qu'on va vous donner de l'eau, répondez simplement à l'appel de ce monsieur fils digne de la Guinée qui essaie d'aider qui est capable de vous donner quelque chose de durable, de continuel et non éphémère, qui est soucieux de votre avenir, qui est soucieux de votre vie. Répondez à l'appel de ce monsieur-là. Donnez raison à ce monsieur-là. Dites à ce monsieur-là que nous vous suivons. Dites à ce monsieur-là que nous sommes à votre disposition. Dites à ce monsieur-là qu'ensemble combattons la dictature, combattons le despotisme, combattons ce système machiavélique, ce système hitlérien en Guinée, combattons. Vous savez, je me dis que les parents de la Haute-Guinée, ils sont restés dans la protection d'Alpha Condé. Ils sont restés dans ce qu'on appelle la dignité. Non, moi je suis Kuruma, c'est la dignité. Moi je suis Kanté, c'est la dignité. Il faut supporter Alpha Condé. Ils sont restés dans la protection de la dignité. Alpha Condé va partir. Et eux, ils resteront dans leur dignité, dans une pauvreté extrême, dans le manque total d'eau, d'électricité, de bonheur. Ils resteront dans cette dignité, la chiffonnée. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que vous devez comprendre. Habitants de la Haute-Guinée, habitants de, de la ville de Kankan, habitants de Sigirine, de Kouroussa, de Mandjana. C'est ce que vous devez comprendre. Montrez à M. Alpha Condé qu'il qu vous a déçu. Montrez à Alpha Condé que tout son pouvoir, tout son règne a été une déception pour la haute Guinée. Montrez Alpha Condé. Mais si vous ne le faites pas, vous dites. Ah non, il ne faudrait pas qu'on se laisse manipuler par les politiques. Ce que vous oubliez, c'est que la pauvreté, c'est n'est pas un discours politique. Vous vivez dans le véritable, vous vivez dans la pauvreté extrême. Est-ce que M. Zeloudalendialo a besoin de venir vous dire que vous vivez dans la pauvreté Vous vivez déjà dans la misère. Est-ce que M. Sylou Diallo a besoin de venir vous dire dans la ville de Cancan qu'il faut manifester pour que en fait nous ayons gain de cause, mesdames et messieurs Vous vivez dans l'extrême pauvreté, dans l'extrême misère. Ne serait-ce que de l'eau, vous n'avez pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans les robinets. Vos propres réalités. Vos propres réalités. Est-ce que Seloudalé a besoin de venir devant vous pour vous informer de vos propres réalités, de votre quotidienneté de ce que vous subissez, est-ce qu'il a besoin de vous dire cela Et s'il le dit, pourquoi les gens pensent que c'est un discours politique Vous-même, vous le dites en longueur de journée. Vous dites qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau dans la ville de Cancan. Vous dites que vous allez manifester le, 20, le 29 mars. Alors, si c'est le dit dans ce discours qu'il n'y a pas d'eau dans le pays, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, dans la ville de Cancan, il n'y a pas. Vous pensez que c'est un discours politique Non c'est une simple tautologie. Il répète, il répète ce que vous vous répétez. Il dit ce que vous dites. Il pense comme vous. Il voit la même chose comme vous, il vit la même chose comme vous. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que c'est nous. Jusqu'à sa mort, il va plus souffrir. C'est ce qui vous fait mal quand je parle de Célou. Célou, jusqu'à sa mort, il ne va plus souffrir. Il a travaillé pour son peuple. Il a eu son argent. La Guinée le payait. Mais ce qu'il a besoin, les valeurs sûres que la Guinée lui a inculquées, ce sont ces valeurs qu'il a envie de redonner à la Guinée. En contrepartie, tel un bon fils. Soucieux de l'avenir de ses propres enfants, de son peuple, tel un bon fils, soucieux de l'entretien de ses pères et de ses mères. Lorsque vous faites un enfant, vous l'éduquez, vous le bercez, vous le donnez à manger, vous vous, vous, vous occupez de, de, de tout. Et que l'enfant l'a grandi avec ses valeurs-là dans sa, dans sa poitrine, dans son cœur. L'enfant la devient quelqu'un, il devient un haut cadre. Mais pourquoi voulez-vous, pourquoi vous refusez que cet enfant vous vienne en aide Vous l'avez inculqué des valeurs. Il doit vous redonner cette valeur d'une autre manière, en créant des conditions de bonheur, en créant des conditions de paix, en, en créant des conditions de bonne vieillesse pour vous. C'est la métaphore que j'ai faite. Cet homme-là, il doit redonner la valeur que la Guinée lui a donnée depuis son enfance jusqu'à cet âge. Il ne faudrait pas que vous nous priviez de cela. Nous ne devons pas nous priver de cela. Il a ses valeurs-là. Il ne doit pas mourir avec ses valeurs. Il doit laisser au peuple de Guinée. En faisant quoi En travaillant. Quel travail Le bon travail. Personne ne viendra vous dire qu'il faut brûler la ville de Cancan. Personne ne viendra vous dire qu'il faut brûler la ville de zérékoré Personne ne viendra vous dire qu'il faut s'attaquer au pouvoir d'Alpha Condé. Mais c'est votre propre conscience qui vous pousse aujourd'hui à prendre une telle décision, à dire que vous allez manifester le 29 mars, population, jeunesse de Cancan, pour dire que vous n'avez pas d'électricité. On se fout de votre gueule, jeunesse de Cancan, population de Cancan de la Haute-Guinée. On se fout de vous. On chie sur vous. On se fout de vous. On vous considère comme des animaux. On vous considère comme des personnes qui n'ont aucune valeur. On dit de vous que vous êtes des animaux, que vous ne réfléchissez pas. Verbalement, on ne le dit pas, mais dans l'action, on vous montre. Parce qu'il faut tout expliquer aux Guinéens. Il y en a qui diront, M. Kanté a dit que le gouvernement a dit qu'on s'en fout que les, les populations de Kankan. Non. L'action montre que la population de Kankan, la population de Sigiri, c'est une population qui répond à tous les critères d'une bête. On vient, on se sert de vous. On vous tient des bons discours, des jolies paroles, pour gagner votre voix. Et une fois que vos voiles sont acquises, on s'en fout de vous. Vous êtes considérés maintenant comme des, des simples torchons avec, les qui, avec lesquels on essuie le cul. Excusez-moi de l'expression, mais c'est la vérité. Monsieur Alpha Condé vous a dit qu'il va construire l'université à Cancan, qui peut-être va répondre à tous les, cri à tous les critères d'université de qualité de la sous-région. Il a commencé. Non, Alpha Condé vous a dit qu'il va envoyer, euh, qu'il va vous envoyer des containers pour fabriquer le pain. Il a fait, il ne l'a pas fait. Il n'y a pas de promesse qu'il ne vous a pas fait. Il n'y a pas de promesse. Et ce sont ces mêmes gens qui osent vous dire que le Chinois est mort aujourd'hui. Après dix ans de règne, c'est vous qui manifestez pour qu'on on fasse quelque chose pour, pour éclairer les rues, pour vous donner à boire. Après dix ans, on vous a dit, vous avez cru en 2010. On vous a menti en 2015. On vous a menti en 2010. On vous a menti. Ça fait combien de fois ça fait combien de fois vous démontrez une fois de plus que vous ne connaissez pas Alpha Condé Le coq a déjà chanté. Et vous avez nié trois fois connaître Alpha Condé. Le coq a déjà chanté, comme disait Jésus. Le coq a déjà chanté il y a longtemps. L'aube est passée. Et vous avez nié trois fois connaître Alpha Condé. Il va vous montrer qui il est. Ce n'est pas fini. Mais moi, j'attends simplement. La machine, sa machine qui détruit les bâtiments là, en basse côte j'attends seulement que sa machine, là, fasse son entrée triomphale dans la ville de Cancan, en Haute-Guinée. Ce jour-là, vous savez ce qui va se passer Le jour que la machine mettra sa chaîne là, en Haute-Guinée, mesdames et messieurs, c'est tout le peuple de Guinée qui se rendra compte ce jour qu'en réalité... <laughs> Nous sommes à un autre niveau, quoi. Vous allez comprendre. Le jour qu'on va commencer à casser les maisons des vieux malinqués en votre Guinée pour dire que vos maisons là sont situées juste à côté de la route, que ce sont des domaines publics, des domaines de l'État. Vous allez comprendre. On verra tous. Aujourd'hui, c'est la basse -côte. On verra tous. Mais je me dis simplement. Pourquoi encore ces machines-là tardent à faire leur entrée triomphale en Haute-Guinée Pourquoi Et je ne veux pas que cette machine aille à zéré sans passer par Cancan. -Can. Il ne faudrait pas qu'on on nous dise non, il faut passer par la Moyenne-Guinée, après la basse côte, c'est la Moyenne-Guinée, après c'est la Guinée forestière, après c'est la Haute-Guinée. Ça sera juste d'ici les 6 ans d'Alpha Condé d'ici la mort d'Alpha Condé. La machine-là ne fera jamais son entrée en Haute-Guinée. Ce sera la politique. Mais nous, nous avons déjà compris. Nous avons déjà anticipé cela. Et vous serez témoins. Le jour qu'ils vont commencer pour la moindre Guinée, après la Guinée forestière, vous viendrez, vous viendrez, vous, 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 vous viendrez ici pour me dire M. Kanté, vous avez parfaitement raison. Même si Alpha Condé fait 10 ans au pouvoir en Guinée, la machine destructrice ne va pas faire son entrée en Haute-Guinée. Il ne faut pas attaquer là. Parce que là, si vous attaquez là, le RPG va tomber. Le masque va tomber. <laughs> Alpha Condé et son pouvoir vivent derrière un masque. Et vous savez, comme quelqu'un disait que nous vivons tous derrière un masque. Et lorsque le moment arrive de retirer le masque, on tire la peau. Alpha Condé va tirer la peau de la population de la Haute-Guinée. Le jour que la machine va faire son entrée triomphale et qu'il va commencer à détruire les maisons des vieux malinqués. On saura la nature du masque et on comprendra qu'en enlevant eh, le masque de masque Alpha Condé va tirer la peau. Il va tirer la peau. Vous allez enfin vous réveiller ce jour, n'est-ce pas C'est seulement à Sigmadina que ça a commencé. Euh, on dit non, il ne faut pas faire ça, faut pas... ça a commencé à, à péter là-bas, SIGMADINA. SIGMADINA, on dit que non, c'est des gens qui vendent des pièces détachées, de c'est des malinqués et tout ça. Mais, pas SIGMADINA, ça c'est quelque malinqués. On arrive seulement en Haute-Guinée. Mesdames et messieurs, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais naturellement, on dit, euh, le mouvement citoyen pour l'électrification, ok, de la Haute-Guinée, va reprendre ses manifestations de rue le 29 mars 2021. C'est son président Ousmane kabar qui l'a annoncé dans un entretien accordé aux correspondants. Tant, 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 euh, en retrait depuis la suspension de ses mouvements de protestation, euh, à la veille de la présidentielle d'octobre 2020, le mouvement citoyen pour l'électrification de la haute de Guinée revient au devant de la CNSE dimanche 21 mars 2021. Le président de, ce, de cette organisation de jeunes et son équipe ont affiché des banderoles au niveau euh, des grands carrefours de la ville de Cancan pour annoncer l'organisation d'une manifestation de rue le 29 mars prochain, d'accord On dit, nous avons euh, commencé à attacher des banderoles hier et nous allons continuer cette opération ce soir. Si le Tout-Puissant a l'aveu, le lundi euh, 29 mars 2021, nous allons sortir pour manifester, indique Ousmane Kaba. d'accord Hum, « euh, hum, Précisons que les jeunes ne seront pas seuls dans ce mouvement de protestation. Nous serons accompagnés par des femmes cette fois-ci parce que nous réclamons le courant, l'eau à la fois était la confiée. Pour l'heure, les organisateurs n'ont pas saisi les autorités, mais ils comptent bien se conformer. Voilà la loi, parce qu'ils souhaitent que leur manifestation pacifique. Les autorités euh, ne sont pas bien au courant de notre décision, mais nous n'avons pas encore envoyé la lettre à la mairie. Nous le ferons à 72 heures de la manifestation et cette manifestation sera pacifique, assure le président du mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée. <laughs> S'il y a manifestation en Haute-Guinée, s'il y a manifestation en haut de guinée si ces jeunes-là sortent pour manifester, ça veut dire tout simplement qu'en Guinée, il y a des bons guinéens, il y a des mauvais guinéens. Parce que vous savez, actuellement, toute manifestation est interdite. Toute manifestation, n'importe quel caractère, que ce soit à caractère politique ou quoi, toute manifestation est interdite par M. Alpha Condé et son groupe. Alors si ces jeunes-là sortent le 29 mars, pour manifester, que ça soit pacifique ou pas, c'est interdit. Ils doivent pas sortir. Alors, si l'autorité accepte que ces jeunes-là sortent dans la rue, ils doivent aussi accepter les manifestations à Conakry. Il mm n'y -hmm. a pas deux poids, deux mesures là. Mais nous attendons le 29 mars pour voir ce qui va se passer. Pour finir, j'aimerais simplement dire à Monsieur Mamadou Sila, cet engrais de la politique de Certainement mettre de l'eau dans son vin. Je l'ai entendu aujourd'hui parler de M. Lansanakouyaté. Je me dis, ce monsieur, Mamadou Sila, il faut comprendre que la politique n'est pas pour vous. Quand je vous entends parler, l'incohérence dans vos propos et la naïveté, la naïveté, je dis bien la naïveté dans vos propos, je me dis que le mieux pour vous, c'est de rester homme d'affaires. C'est de, 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 de vous éloigner de la politique et tous ces pourtours-là. Je ne peux pas comprendre qu'un responsable comme vous, je ne peux pas comprendre qu'un pseudo-chef de file de l'opposition guinéenne tienne des propos pareils à l'encontre d'une élite de la République pour dire qu'il est menteur, pour dire qu'il est ingrat. Il faut que ce monsieur-là apprenne. C'est pourquoi je dis souvent que les journalistes doivent l'interviewer en soussou ou en diakanké la langue qu'il comprend. D'accord Mieux que le français. Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a des propos on ne tient pas. Il y a des propos et pour un homme responsable, on ne tient pas ces propos-là vis-à-vis à, -vis à quelqu'un d'autre. C'est pas bon. C'est inadmissible ça. C'est maman Silla qui ose aujourd'hui dire à quelqu'un d'autre qu'il est menteur en Guinée. C'est Mamadou Silla qui ose aujourd'hui dire à quelqu'un d'autre qu'il est ingrat en Guinée. Il dit, c'est un griot. Mamadou Silla, je ne suis pas avocat de l'ancien mais il faut se comprendre seulement que Dieu n'a pas créé quelqu'un pour être griot. Il n'y a pas le nom Kouyate dans la Bible. Dans le Coran, il n'y a pas. Silla, le nom Silla, il n'y a pas dans le Coran. Il n'y a pas de Silla dans la Bible ni dans la Torah. Ces noms-là, c'est nous qui les avons créés. Le nom sous Mauro Kanté, ça n'existe nulle part. Ce n'est pas dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans la Torah. Kouyaté n'est pas synonyme de griot. D'accord Kouyaté n'est pas synonyme de griot. C'est nous qui avons fait comme ça. Euh, des gens ont dit griot. Dieu n'a créé personne pour être griot. Il faut que vous compreniez cela. Le nom, ça veut absolument rien dire. Le nom... C'est seulement une manière de, de différencier les hommes. Vous vous appelez Binta Diallo, vous vous appelez Kanté, monsieur, vous vous appelez Fatmata Binta Bela, vous vous appelez Mamadou Sila, vous, vous vous appelez Lansana Kouyaté. C'est justement une manière de différencier les hommes. C'est simple que ça. Alors, dire que monsieur Lansana Kouyaté est un crio, je vais l'acheter une guitare, tout ça, moi je pense que ça c'est de, de l'abération. Il faut que ce monsieur la mette de l'eau dans son vin. Et il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas être ses loups. Parce que là, on sent, on sent la nervosité chez lui. Un homme responsable ne peut pas être, ne peut pas s'énerver comme ça pour des choses banales. Mesdames et messieurs, ce n'est pas le critère d'un homme responsable, d'un homme qui est censé représenter une entité aussi importante que l'opposition. Vous ne pouvez pas vous laisser comme ça aller dans des, euh, dans des propos pareils. C'est inadmissible. Il faut penser à cela. Monsieur Mamadou Sila, je vais vous simplement vous dire deux mots. Si vous avez eu le courage, l'audace de dire que l'enfant Kouyaté est un menteur, j'aimerais simplement que vous ayez le même courage de dire que M. Alpha Condé est un menteur. J'aimerais que vous ayez le même courage de dire que Monsieur Alpha Condé est un ingrat. Aujourd'hui, il n'y a pas plus ingrat qu'Alpha Condé. Les Malinqués le savent. Les parents de la Haute-Guinée, ils savent qu'aujourd'hui en Guinée, c'est lui qu'eux peuvent appeler le vrai ingrat, c'est Alpha Condé. Alpha Condé a été ingrat vis-à-vis -vis de la Haute-Guinée. Toutes les promesses qu'il a tenues devant la population de la Haute-Guinée, il n'a réalisé aucune. Il n'y a pas plus ingrat que lui. Mamadou Sila, si vous êtes aujourd'hui homme, traitez Alpha Condé d'ingrat. Les gens vont vous applaudir. Traitez Alpha Condé de menteur. Les gens vont vous applaudir. Mais vous savez, vous n'avez pas le courage. Vous avez peur simplement d'être emprisonné. Vous avez peur simplement d'être incarcéré par le même Alpha Condé. Alpha Condé, c'est le premier menteur de la République de Guinée. C'est lui qui a mis la main sur la constitution guinéenne et a prêté serment devant tout le peuple de Guinée qu'il va respecter la constitution et qu'il ne va pas falsifier ni changer la constitution. Il l'a fait ou pas vous devez avoir le courage de traiter ce monsieur de menteur. L'Ansana n'est aucunement menteur. Je ne suis pas l'avocat de L'Ansana. Si vous avez eu le courage de dire que L'Ansana est un ingrat, traitez Alpha Condé d'ingrat. Parce que le peuple de Guinée, une partie du peuple de Guinée, a fait confiance à ce monsieur-là. Et il n'a pas su répondre. Il n'a pas su, c'est-à-dire reconnaître le bienfait de ce même peuple. Ça, c'est de l'ingratitude. Monsieur, Monsieur Mamadou Sila, je pense que la politique n'est pas faite pour vous. Tout le monde n'est pas silou. Tout le monde n'a pas le cœur de loups. Tout le monde n'a pas la patience de loups. Tout le monde n'a pas la subtilité de loups. À cause d'une affaire banale, vous vous, vous vous êtes laissé aller à des injures comme ça. Parce que pour un homme responsable, on peut qualifier ça d'injure. Vous savez, entre les hommes responsables, entre les élites, il est très difficile d'entendre que vous êtes menteur, vous êtes ingrat. D'accord sur, sur un plateau de télévision, il est très difficile qu'un élite, okay, qu'un homme responsable, dit à un autre homme responsable qu'il est ingrat, qu'il est menteur. Il trouve toujours un moyen de dire cela autrement. D'accord Mais pas comme ça, là. Alors si vous savez employer ces termes-là, employez les mêmes termes vis-à-vis d'Alpha Condé. <laughs> vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas cette, cette capacité, ce courage de dire Alpha Condé. Vous n'avez pas. Et c'est ça l'hypocrisie. Vous avez le plus grand menteur devant vous. Vous avez le plus grand ingrat devant vous. Mais vous n'osez pas. Dire que ce monsieur a été à un moment donné, quelqu'un qui donnait des conseils à M. Lansana Conté, qui dirigeait la Guinée, je me dis que la Guinée ne pouvait pas s'en sortir. Hum -hum. La Guinée ne pouvait pas dire que c'était l'ami intime de Lansana, que c'est lui qui suggérait certaines choses à M. Lansana Conté, paix à son âme. Je me dis qu'en réalité, on ne pouvait même pas faire un pas. Un monsieur avec une telle mentalité, c'est vraiment dommage. Mes amis, je ne vais pas passer la, jour, la nuit sur ça. Moi, je me dis simplement que la Guinée n'est pas encore prête. La Guinée n'est pas encore prête. Voir un monsieur que c'est lui qui est chef de file de l'opposition en Guinée et qui tient des propos comme ça, là. Alors, j'aimerais simplement dire à M. Baoure Faya Mirimono que vous voyez aujourd'hui la manière dont M. M. Mamadou Silla a, a épluché M. Lansana Kouyaté. Alors, soyez intelligent Parce qu'un jour, ce même M. Mamadou Silla, tout ce que vous êtes en train aujourd'hui de faire à ses côtés, le même Mamadou Silla se permettra un jour de vous taguer d'ingrat, d'impoli, de vous taguer de voyous, de vous taguer de tous les noms. Il va le faire, c'est son habitude. Il nous a montré par A plus B aujourd'hui, en parlant de la sorte de Lansanakuyate. Même s'il si y a, même si, même si, je dis bien, même si c'est le conditionnel, même s'il si y a une vérité là-dedans, mais par la manière il a été vulgaire, en tant qu'un homme responsable, représentant une entité aussi grande que chef de file de l'opposition alors Monsieur Bauri, M Milimono et tous les autres qui sont aux côtés de ce monsieur là aujourd'hui, il vous a donné une belle leçon il vous a averti en disant que voilà faites attention, moi c'est ma nature ça le jour que je serai coincé par les médias, le jour qu'il s'agira de répondre à une question vous concernant si je suis fassiez, je vais vous dire, je vais vous lapider, je vais vous éplucher, c'est simplement que ça. On n'est pas encore prêt. Jeunesse de Cancans, euh, on vous attend. Jeunesse de Farana, on vous attend. Jeunesse de Sigiri, on vous attend. Peuple de la Haute-Guinée, on vous attend. Parce que c'est vous qui tenez encore le pantalon d'Alpha Condé. Le pantalon est très gros. On a déjà enlevé la chemise. On a déjà enlevé le sous-vêtement. On a déjà enlevé la ceinture du pantalon d'Alpha. Mais c'est vous qui tenez encore le pantalon d'Alpha. Si vous laissez le pantalon d'Alpha, c'est fini. Mais en tant que vous tenez ce pantalon d'Alpha, on sera encore là. Sur ce, je vous dis bonsoir. À demain. Comme disait ce même Lance Anakuyaté, que l'ambition dont on n'a pas la compétence est un crime. L'ambition d'Alpha Condé aujourd'hui s'est transformée par un crime. Ce même Lance disait que une nation sans richesse est une nation pauvre. Okay, mais sans ambition est une pauvre nation. à vous de méditer. à demain bonsoir et je vous love. bye-bye.